Bonjour, Maxime, client en guerre. Aujourd'hui, je vous propose un test et une présentation d'un produit qui est un enrouleur Hanger de longueur 40 mètres. Il nous est composé de trois éléments principaux. Premièrement, ici, un bouton rouge qui est en fait une protection thermique. Cette protection thermique est destinée à protéger l'enrouleur des surintensités. Secondement, on retrouve ici des prises, un ensemble de quatre prises, qui sont revêtues d'un cache plastique de couleur grise, avec un ressort qui rabat la prise automatiquement. Et troisièmement, on retrouve ici une poignée qui va nous permettre d'enrouler et dérouler le câble. Concernant le câble en lui-même, celui-ci est doté d'une longueur de 40 mètres. À l'arrière du produit, on retrouve principalement ici une butée qui nous suffit de desserrer avant de pouvoir dérouler le câble. Lorsque le câble est fini d'être enroulé, nous retrouvons ici une attache qui nous permet de bloquer la prise. Dernier point, on peut citer que l'enrouleur est relativement lourd, il pèse 11,3 kg. Procédons au test du produit. Pour ce faire, il va nous falloir raccorder la prise mâle sur une prise de courant. Ici en l'occurrence, un groupe électrogène. Voici, l'enrouleur est alimenté. On observe bien une tension sur les différentes prises. On a vu que ce produit est relativement robuste. Dans mon utilisation, j'en aurais l'usage pour distribuer l'électricité à travers une maison ou un chantier en rénovation. Cette section est relativement importante, donc de ce fait, nous pouvons tirer jusqu'à 3600 watts, chose très appréciable, permettant de mettre un petit radiateur de chantier de 2000 watts par exemple, ou tout autre travaux de burinage ou de démolition utilisant des produits relativement puissants.